瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Deuxième review du tome 18 de Radiant. On va parler du chapitre 134, la balade des inquisiteurs les gars. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Fumigène H et à Fumichaud si ce n'est pas fait et à vous abonner au Discord si vous voulez participer à la vie de la Fumi Family. Comme vous le savez, j'essaye au maximum de couvrir les événements Radiant, du moins les événements, les sorties des tomes, et j'essaye au maximum de développer, on va dire, ma passion radiante, de prolonger le plaisir en attendant le prochain tome. Alors, on n'a pas non plus un tome tous les 4-6 mois, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre son temps pour bien analyser. Et encore une fois, je le répète, les tomes de Tony Vallande sont tellement chargés, denses en informations que, selon moi, ça mérite plusieurs vidéos. La dernière fois, j'en avais fait 3, là, je vais en faire beaucoup. Je vous dis, je vais prendre mon temps, je vais prendre du plaisir. Attaque de Némésis. Et oui, attaque de Némésis dans la ville de Baume, les frérots. Un Némésis attaque en forme de serpent et c'est Enga et Inina qui vont s'en occuper. Petite scène plutôt pas mal, on rentre tout de suite dans l'action, c'est bien parce que le premier chapitre était un petit peu statique, on va dire. Donc là, on rentre tout de suite dans l'action, ça nous permet de voir le style de combat de Enga et de Inina aussi. Elle a des sortes de bombes qui grossissent, des choses comme ça, ça sera un petit peu mieux expliqué à la fin. Et donc ça va nous montrer aussi que les personnages, ces personnages-là sont plutôt forts. Bon, ce sont des capitaines, je crois, donc ça va, c'est pas très étonnant, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette attaque. Et on va le voir très rapidement. Parce que déjà, de toute façon, Enga et Inina vont dire généralement que c'est pas normal. Cette attaque n'est pas normale parce que selon l'angle, le positionnement de la ville de Baume, normalement, les œufs de Némésis ne passent pas. Donc c'est très bizarre, cette attaque. Et on va comprendre très rapidement que cette attaque a été pilotée par Perséon et Hadès, par des sorciers, on va dire, un petit peu random. Derrière, il y a beaucoup de choses à comprendre derrière tout ça. Déjà que Perséon utilise des sorciers un petit peu comme chair à canon. Elle utilise aussi, évidemment, des Némésis. Et ils ont fait un test. Et elle a posé la question à ces trois petits sorciers qu'elle a utilisés. Elle leur a posé une simple question. Elle leur a dit, est-ce que le Némésis a bien explosé une fois qu'il a été battu? Et il a dit, oui, il a bien explosé et il a même fait des gros dégâts. Et elle a dit, c'est parfait. Donc, on se doute que cette manière de combattre va réapparaître plus tard dans Radiant. Est-ce que l'explosion est liée à la taille ou la force du Némésis? Ça serait intéressant. Donc imaginez un Némésis énorme, l'explosion pourrait littéralement détruire peut-être tout Baume. Ça serait ouf, hein? Est-ce que c'est pas le but des Domitors? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de très lourd qui se prépare et Perséon est à la manœuvre avec Hadès. Et oui, les frérots. Donc, arrêtez-vous sur ces éléments-là parce que ce sont encore une fois des indices que Tony Vallande nous donne. Tony Vallande joue avec nous. Il joue avec nous. On l'a vu avec Grimm, notamment avec les événements qui vont arriver par la suite et les indices qu'il nous avait donnés depuis le début, d'accord? Mais il joue avec nous. Il nous donne des indices. Donc, il nous donne les possibilités, il nous donne les clés de deviner la suite. C'est à nous, après, d'être des bons lecteurs assidus et de lire et de relire. Mais c'est pas forcément, évidemment, très facile, surtout quand on lit beaucoup de mangas. Donc, déjà, ce qu'on peut retenir dans cette scène, c'est que Perséon utilise des sorciers un petit peu pour en faire ce qu'elle veut pour les utiliser. Les sorciers, eux, cherchent à devenir des Domitors. Donc, ils sont là en train d'essayer de prouver leur valeur en disant, voilà, on va essayer de prendre la tête d'un gradé, etc., pour pouvoir, derrière, avoir la protection, finalement, des Domitors. C'est un peu normal, il y a des camps, l'Inquisition, les Domitors, tout ça, donc ils veulent rejoindre leur camp, au final. Ok? Mais ça montre qu'il n'y a pas tant ce côté, vous savez, un peu, on est tous des sorciers, etc., chez les Domitors, hein. Ils font quand même une différence, il y a sorciers et sorciers, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ils les ont clairement utilisés et ils s'en foutent complètement, personne s'en fout complètement, ok? Et ça montre aussi qu'il y a un plan concernant un Némésis qui pourrait s'auto-détruire une fois qu'il a été battu. Attention, c'est à retenir.
On arrive sur l'escadron des nuages. Alors, il me semble que cet escadron, on les avait déjà vus avant, lors de la nomination de Ulmina, il me semble. D'accord? Et donc, l'escadron des nuages semble très fort dans ce chapitre-là. On va voir plus tard leur pouvoir. On détaillera, je vous donnerai mon avis évidemment sur l'utilisation de leur pouvoir. Ils ont, ça, c'est plus son chapitre 135. Et à la fin du chapitre 134, ils vont arriver et ils vont attaquer justement ces trois petits sorciers. On se doute bien que cette scène est là pour nous montrer la force de l'escadron des nuages. Ce qui est bien logique, hein, parce qu'on ne les avait pas encore vus à l'œuvre. Mais il y a un élément qui est très intéressant concernant l'escadron des nuages, c'est le masque qu'ils portent. En effet, lorsque tu les vois parler comme ça entre eux, ils sont en train de se balader, ils n'ont pas de masque. Et lorsqu'ils attaquent, ils mettent le masque. On comprendra plus tard. Et on verra même plus tard que ce masque, il semble le caché de l'Inquisition. Donc il y a quelque chose avec ce masque. Est-ce que l'inspiration ne serait pas de Dragon Ball, on ressent le ki ou un truc comme ça? Il y a peut-être une petite inspiration de la part de Tony Valente. Mais en tout cas, c'est ça qui est à noter chez l'Escadron des Nuages, c'est qu'il y a ce fait de retirer le masque, de le mettre, de le remettre, et il y a quelque chose, et ils veulent pas que l'Inquisition soit au courant de ce petit gadget. D'ailleurs, qui a créé ce masque-là aussi? C'est intéressant. Et ouais, attention les frérots. Et donc voilà, voilà pour le chapitre 134. Il s'est pas passé des trucs de fou dans le chapitre 134, on peut se le dire. Hein. C'est clairement l'attaque des Némésis, le combat entre Enga et Nina contre le Némésis qui explose, qui s'autodétruit. Ensuite, évidemment, tous ces petits sorciers qu'on voit qui sont en train d'essayer de rentrer chez les Demi-Tors. Perséon qui, après, derrière, leur dit « Voilà, bah, vous avez bien bossé, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore avec nous, les petits cocos. » Et ensuite, l'escadron des nuages qui arrive. Donc, dans le chapitre 134, c'est pas non plus passé des choses extraordinaires. C'est le chapitre 135. C'est le chapitre 135 qui va tout de suite nous développer une façon de combattre pour l'escadron des nuages. Donc, mon but n'est pas de faire des reviews pour dire parler inutilement. Non. Et quand il se passe pas énormément de choses dans un chapitre, bah forcément, ça va faire une petite review. Évidemment, les frérots, vous en doutez bien. Mais, en tout cas, si je cumule pour l'instant le chapitre 133 et le chapitre 134, on est dans quelque chose, pour l'instant en tout cas, de très correct. Mise en bouche dans le chapitre 133 et ensuite chapitre 134, développement petit à petit de l'escadron des nuages avec un nouveau style de combat, avec aussi des mystères, des intrigues concernant évidemment les Domitors, Perséon et Hadès, etc. Donc ça monte encore une fois en pression sur des événements qui vont être pour moi terribles. Je le dis, je pense même qu'après cet arc, ça serait possible qu'il y ait une ellipse dans Radiant, parce que je pense vraiment que cet arc-là va être incroyable. Déjà, c'est l'arc le plus long que Tony Valente ait fait depuis le début. Là, l'arc de Baume, il est incroyablement long. Je crois qu'il a commencé au tome 14, si je dis pas de bêtises, on est au tome 18, et on sent qu'on est très loin de la fin, je le dis franchement. Donc voilà les frérots, voilà pour le chapitre 134 de Radiant. Dites-moi comme d'habitude qu'est-ce que vous en avez pas pensé avec honneur, les frérots, et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 138, et là on va décortiquer un petit peu les pouvoirs de l'escadron des nuages, on les avait pas vus combattre, et on va essayer de voir si c'est bon, c'est pas bon, vous me dites évidemment ce que vous en pensez, comme d'habitude, avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Enga et Inina.